你愿意嫁给我吗？愿意。我老公呢？他没事吧？啊？你怎么会在这里？你到底是怎么了？你们都已经离婚了，那已经是五年前的事了。既然他过去这五年全部都忘记，那你就趁机改造他。每一次我去你们家看球赛，你都会把家打扫得一尘不染的，连一根头发都没有。我什么时候跟他成为好朋友的？我明明记得我不太喜欢他。我们以前吃饭的时候都聊什么？我们以前吃饭不太聊天。这个耳环是我的吗？我女朋友的。你好，我是莉莉，阿姨的女朋友。我们两个之前已经闹翻了，我们也闹翻了。你上辈子究竟欠了何曼什么？为什么他这一辈子已经跟你离婚了，然后还要搞一个失忆？很多事情永远都想不通，想不通为什么一睁开眼你就不是我的了。有些人千万不要放弃我，在心底从来没忘记。有些事，有些梦，还找不到谜底。有些话越欲言又止，就越是我真的可以重新开始吗？让我们靠近，想悄悄告诉你多爱你。 Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Stolen Years, un drame romantique sorti en 2013 réalisé par Barbara Wong, chose que je ne savais pas avant de regarder le film, et qui nous raconte l'histoire d'une femme qui se réveille après un accident et qui a perdu la mémoire et qui ne se souvient plus des 5 dernières années de sa vie. Elle ne se rappelle donc pas qu'elle a divorcé de son mari et elle est toujours amoureuse de lui. Barbara Wong, on va pas se mentir, elle a pas fait que des films incroyables. Je sais même pas si elle a réussi à faire un seul film intéressant. Le dernier que j'ai vu d'elle, c'était The Perfect Wedding, je crois, avec Miriam Young, ma chérie, et Chrissy Cho, ma chérie. Et c'était quelque chose de très fade, de très impersonnel, qui suivait le cahier des charges à la lettre. Il n'y avait aucune surprise. C'était un film très convenu. Et je crois que j'avais mis 4 sur 10 sur Sens Critique. Et là, The Stolen Years, ça, en fait, c'est un gros gâchis, tout simplement. Je ne vais pas m'étendre et faire une critique dithyrambique, enfin non pas dithyrambique, mais assassine qui va plomber le film parce que c'est tiré sur l'ambulance, ça ne sert à rien. Le duo d'acteurs fonctionne bien, ils jouent de manière plutôt correcte. Ce qui va les desservir, c'est le scénario et la réalisation que je trouve assez malvenue dans certaines scènes. Une utilisation de musique abusive dans une scène qui était jusque-là sobre et qui permettait à l'émotion de s'installer. Il y a aussi une scène que je trouve particulièrement ratée, c'est la demande en mariage. Donc le mari installe sa femme dans sa voiture. Et au fur et à mesure que la voiture va reculer, le mari a mis en scène une espèce de clip show, hein, je ne sais pas comment décrire ça autrement. Et on va avoir en fait en haut à droite de l'écran, ou en haut à gauche, je sais plus, on va avoir le visage de la femme qui réagit à ce qu'elle est en train de voir. Un peu comme une vidéo de réaction de trailer ou de trucs qu'on trouve sur YouTube là, je sais plus comment ça s'appelle. Alors je trouve ça vraiment étrange de servir de ce genre de scène, ce genre de réalisation dans un film, ça coupe complètement l'émotion. Ça gâche totalement la mise en scène et moi ça m'a fait sortir du film, même si j'étais pas à fond dedans. Comme j'ai dit, c'est dommage parce qu'il y a des situations assez intéressantes, mais le film est très mal écrit, quoi. C'est vraiment aberrant. La situation médicale de l'héroïne, ouais, bon, je savais pas qu'on pouvait soigner la maladie d'Alzheimer en opérant, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Et le final, il est grand guignolesque, une espèce d'accumulation de malheur, là, c'est... J'ai trouvé ça très pataud, très maladroit, c'est dommage, hein, parce que ça aurait pu donner lieu à de très bonnes scènes, si c'était resté sobre et crédible un minimum. Parce qu'il y a des questions intéressantes que le film essaye de soulever, malgré tout,
jusqu'à quel point on peut aimer quelqu'un sans sombrer dans l'égoïsme, à quel point on peut aimer une personne pour ce qu'elle est, pardonner ce qu'elle peut être aussi, ce qu'elle a pu être, jusqu'où l'amour peut-il aller, à quel sacrifice on peut faire. Oui, c'est dommage, hein, parce que le film aurait pu être bien meilleur, quoi. Enfin bref, The Stolen Years, c'est un film qui dispose d'un bon casting, mais qui, je trouve, est très raté dans sa réalisation et le dénouement de l'histoire. Il y a des incohérences et des aberrations, et des excès surtout, vers la fin, qui plombent le film, et c'est vraiment dommage, quoi. Donc voilà, Barbara Wong est passée à côté de son sujet, je pense, et je vous conseille absolument pas The Stolen Years. C'est un gâchis qui mérite pas franchement un visionnage, quoi. Je pense que même des gens à la recherche d'un film romantique trouveront ça un petit peu too much. Comme je l'ai dit, c'est dommage, hein. Parce qu'il y a des scènes qui auraient même pu réussir à être émouvantes si ça n'avait pas été enrobé d'un espèce de gâchis scénaristique et de réalisation à côté de la plaque. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique et d'ici là, regardez du cinéma asiatique parce que ça déchire.